Chapitre 2. Comment jauger l'ennemi. Partie 1. Le marquis de Wu dit à Wu Chi. À présent, le Qin me menace à l'ouest. Le Shu me ceinture au sud. Le Chao me tient tête au nord. Le Shi commande les frontières à l'est. Le Yen barre la route à mon arrière-garde. Et le Han établit ses positions face à moi. Je dois me défendre dans toutes les directions contre les troupes de ces six états. Cette situation est des plus incommodes. Comment viendrai-je à bout de ces soucis ? Wu Shi répondit : Eh bien, le moyen d'assurer la sécurité du pays, c'est d'attacher du prix à la prudence. À présent que vous êtes conscient des dangers, le malheur est tenu à distance. Qu'il me soit permis de passer en revue ces six pays. Actuellement, l'armée Qi est nombreuse, mais sans aucune consistance. L'armée Qin est dispersée. Chacun s'y bat pour soi. L'armée Chou est bien organisée, mais n'a pas d'endurance. L'armée Yen se défendra, mais ne se mettra pas en campagne. Les armées des trois Qin sont bien commandées, mais mal utilisées. Quant aux hommes du Qi, ils sont hardis, leur état est riche. Leur souverain et leur ministre arrogants et dépensiers, traitant le peuple avec mépris. Le gouvernement est clément, mais les salaires injustes. L'armée est divisée dans ses convictions et son poids est à l'avant-garde, non sur les arrières. Aussi est-elle, quoique nombreuse, sans consistance. Voici comment il faut attaquer l'armée Shi. Il faut la diviser en trois parties, puis attaquer sa droite et sa gauche. Ainsi vous la forcerez à se plier à votre volonté et elle pourra être détruite. Ce qui caractérise l'état de Qin, c'est sa force, son relief accidenté. Son gouvernement strict. Les récompenses et les châtiments n'y demeurent pas lettre morte. La population est opiniâtre et chacun est décidé à se battre. C'est pourquoi ces formations sont dispersées et chacune se bat pour elle-même. La façon de s'y prendre pour attaquer le Qin, c'est de commencer par lui offrir quelques avantages apparents, puis de l'inciter à avancer en se retirant. Les officiers convoiteront l'appât et se laisseront séparer des généraux. Tirez parti de leurs erreurs et pourchassez leurs éléments dispersés. Tendez des embuscades, saisissez les occasions et leurs généraux seront pris. Ce qui caractérise l'état de Chu, c'est sa faiblesse. Son territoire est vaste, son gouvernement hésitant et sa population harassée. Aussi cet état est-il, quoique bien organisé, sans endurance. La façon de s'y prendre pour attaquer le Chu, c'est de frapper brusquement et de semer la confusion dans son camp. D'abord, sapez son moral. Avancez avec des troupes légères, puis retirez-vous à grande allure, épuisant ainsi l'armée ennemie. Sans même vous mesurer avec celle-ci par les armes, vous pourrez ainsi avoir raison d'elle. Ce qui caractérise les Yen, c'est leur stupidité et leur honnêteté. Ils sont circonspects, ils admirent la bravoure et la justice, mais manquent d'astuces et de fourberies. C'est pourquoi ils se défendront, mais ne se mettront pas en campagne. La façon de s'y prendre pour attaquer les Yen, c'est de les aiguillonner et de les harceler, de marcher sur eux, puis de reculer un peu, et ensuite d'attaquer prestement leurs arrières. Alors les supérieurs seront perplexes et les subordonnés apeurés. Ils se prémuniront contre nos chars et notre cavalerie, et ils tomberont devant eux, et ainsi leurs généraux seront faits prisonniers. Les trois Qin sont les royaumes du centre. Leur population est d'un tempérament pacifique. L'ordre règne au sein de leur gouvernement et le peuple est harassé par les combats. Quoique bien entraînés à la guerre, les troupes méprisent leurs généraux. Les fonctionnaires sont chichement rémunérés. Les officiers n'ont pas la volonté de se battre jusqu'à la mort. Aussi les armées sont-elles, quoique bien commandées, de peu d'utilité. La façon de s'y prendre pour les attaquer est de serrer de près leur formation et de les talonner, de leur résister lorsqu'elles arrivent, et lorsqu'elles reculent, de les poursuivre. De cette façon, vous pourrez les user. Tel est l'aperçu général de la situation. Naturellement, il ne peut manquer d'exister dans l'armée quelques officiers courageux comme des tigres et assez vigoureux pour soulever sans effort un trépied de bronze. Rapides comme des chevaux sauvages, ils s'empareront des étendards de combat et feront prisonniers les généraux. Une armée compte immanquablement quelques hommes de cette trempe. Ceux-ci doivent être sélectionnés,
désignés, choyés et honorés, car ils sont l'âme de l'armée. Ces êtres exceptionnels sont d'habiles utilisateurs des cinq armées, doués, vigoureux et agiles, qui ambitionnent de dévorer l'ennemi. Il faut les élever dans la hiérarchie des honneurs. Ils remportent des victoires décisives. Traiter avec libéralité leurs parents, leurs épouses et leurs enfants. Encouragez ces officiers par des récompenses et maintenez-les dans la crainte du châtiment, car ils sont endurants au combat. Si vous êtes en mesure d'estimer soigneusement leurs capacités, ils pourront attaquer des troupes qui leur sont deux fois supérieures en nombre. Le marquis de Woody. Excellent.